un petit job du vendredi. Une caméra de chasse. C'est quoi cette marque-là? Modèle BG310-M. C'est la marque Bodyguard. C'est une caméra de chasse. C'est la première fois que je la vois, ce modèle-là. Mais elle ressemble à toutes les autres. Là, on l'ouvre ici. C'est le port. Ça, c'est pour les batteries. C'est correct pour recharger. Mais c'est le port de charge qui fait défaut. Le client, il l'avait même démonté. Puis là, il l'avait tout remonté. Fait que je vais faire, j'aille ouvrir ça, sortir la carte mère. Le port, il est ici. Je sais pas si on peut le voir au microscope, là. Mais il est... Ouf! Il est endommagé. Ouais, on le voit assez bien, mais il est brisé. C'est un port micro USB. Tiens. Fait que, on va démonter ça. On va les remplacer ça. Je dois en avoir un semblable, là, dans tous ceux que j'ai ici. Fait que, let's go! On démonte ça. Mets ça ici. Nope, c'est pas vrai. Trompé de tournevis. Et voilà. Pour enlever la carte de là. On va débrancher ça. Et je vais peut-être avoir une coupe de fil à dessouder. C'est fait sur le même principe que toutes les autres. Et probablement que celle-là et celle-là, j'ai peut-être pas besoin de les enlever. D'après moi, c'est pour tenir la caméra, ça. Pis c'est pas les mêmes vis. Généralement, c'est pour tenir là. Non, c'est la caméra qui est là. Ouais, ouais. Ici, c'est les deux antennes. J'avais bel et bien raison. Ces deux vis-là, j'ai pas besoin de les enlever. On va venir ça. Dessouder ça. Et voilà. Ici en haut. Un fil bleu et un fil rouge. Comment est-ce qu'ils sont sur des fils rouges qui parlent là? Oui. Et voilà. Puis il va rester à retirer les antennes de là. Okay, celle-là, il est soudé. Tiens. On va dessouder ça. Et ça. Et voilà. Voilà. L'écran. L'écran est rattaché là. Et voilà. On a tout retiré. Fait que le port micro USB est ici. Bon, c'est un port assez standard, 5 pins. Rien de compliqué là. Puis, je peux-tu chauffer par en dessous? Il est ici. Ça. Pour le dessouder, ouais, je devrais pouvoir. Ou il a-t-il été soudé par en haut ou par en bas? Je pourrais même le dessouder par en haut, ça va être encore plus simple. On met ça là. Puis avant de le retirer, je vais aller voir toutes les ports que j'ai. Ça ressemble à celle-là, on vous maudit. Ben, c'est celle-là. Ben oui. Hein? J'en ai un pratiquement identique ici. Du même côté, tout, ouais. Donc, je l'ai. On dessoude ça. Ce qui est mon board.
je vais le mettre là-dessus. Juste pour le tenir un petit peu. Je ne veux pas chauffer directement sur mon tapis. Bon. Fait que là, on est là. Mais c'est ça un peu. 420. Et voilà. Ça a été trop long. Fait que si on se remet là, c'est bien beau. Tiens, on va nettoyer tout ça comme il faut. Je sais pas si je suis obligé de passer par en dessous ou si je peux le faire par en haut. On va nettoyer ça bien comme faut. Et voilà, tout est nettoyé. Tiens, il y avait les mêmes pattes, mais je pense à ça, je n'ai même pas regardé les pattes. Il ressemble pas mal. Tiens. Pas identique, mais ça va faire l'affaire amplement. Là, il va falloir que j'aille le souder par en dessous, par exemple. À moins que je soude tout de suite les pattes. On va essayer ça. Tiens. Les pattes sont soudées. On va aller en dessous maintenant. Mettre ça comme ça. On va venir souder les autres pattes ici. On va y faire tenir ça solide. Ça a traversé de l'autre côté, oui. Oui. Parfait. Parfait, ça. Là, je vais me réassurer que les pattes sont toutes bien soudées. Oui. Tout est à sa place. Ça, je pourrais jamais rejoindre ça. Ça n'a pas de sens. Ça va faire fondre. Un beau port de Charles-Neuf. M'assurer qu'il rentre bien à sa place. Je sais que vous voulez de mieux. C'est parfait. Hein? On soude tout ça à sa place. Ça ici.
Et voilà. Tiens, avant d'y remettre le couvert, on va essayer ça. J'ai un câble USB-C à quelque part. Ça, j'en ai un. Marcher. Et oui. Ça charge. 1 ampère.65. La lumière a lieu. Et voilà. Beau lit. Insérez carte SD, s'il vous plaît, c'est correct. Moi, je vais aller voir le menu. Là, j'ai pas de carte SD, j'en ai une à y mettre en attendant. Jusqu'à voir la carte SD. Elle doit aller en dessous de ça. C'est ça. Trop gros. Et voilà. On voit qu'il y a un petit éclair. Je le débranche. La petite éclair est disparue. La petite éclair est apparue. Fait que, belle petite réparation. Mon client va être bien heureux de ça. On met ça là. On éteint ça. Tout est fait. Fait que, il me reste le couvert à remettre. Comme ça. Fait que ceux qui ont des caméras de chasse, là, puis que ça a brisé. J'ai même les supports de carte SD que je peux remplacer. Et voilà, une caméra de chasse de Brett. Merci à tous. Bonne fin de journée.